C'est bon ça? Ah, je savais que les M&M's c'était bon, mais... On se retrouve ce soir pour la suite d'Astral Chain. Et normalement la fin. Ah oui, non, faut... Apprentissage, c'est fait. Assaut déchaîné, c'est pas mal. Je devais améliorer en fait mes légions. Les aptitudes, non? Pour en avoir qu'un de toute façon. Étourdi, c'est pas si mal. Après, je les utilise très rarement. Je dois avouer que... Je dois avouer que je les utilise assez rarement. J'y pense pas. Un petit peu plus de lumière. Attaque synchro, si tu veux. Ils ont tous un truc. Allez, go! Le but va être de finir le jeu. Donc là, apparemment, ça y va. Hein. On a tout amélioré, que ce soit nos légions ou notre personnage. Allons-y. Je me sens chaud. Donc, dernier chapitre. Je me souviens, elle avait parlé de la meuf. Encore ça? Ça a l'air d'être plus ou moins les boss finaux, hein, ces trucs-là. Alors, j'aurais tellement voulu refaire une session en moto. Apparemment, il n'y aura pas d'autres moments en moto qu'au début, c'est dommage.
Bon, je dégnague. Parce que c'est les ennemis de base. Et je veux, peut-être que je fais pas attention. Ah oui, d'accord, ça reste son temps. Surtout besoin de récupérer un peu de PV. Je regarde s'il n'y a pas des trucs à fouiller. Hein. C'est vrai que finalement les preuves, on n'a pas été chercher les chats quoi. Sur l'autoroute, il y avait un chat au tout début. On est partant. Hein. Allez, on y va. I'm glad to hear everyone's okay. A medical chopper is on its way. Roger. Who knows how much I'll get these. OK. Les autres questions en fait, ça paraît logique. Oh putain. Oh, j'en ai déjà combattu un de ce truc. Allô. Ah, aujourd'hui j'ai officiellement fini Big Bang Theory parce que j'avais pas encore regardé la dernière saison. Direct de la vie, je préférais pas attendre. Normalement, j'ai déjà combattu ce truc. D'accord. Est-ce que je peux utiliser une grenade, tiens, pour le peu que j'utilise? J'en vois pas. Il me semblait que c'était comme ça qu'on s'en servait. Mais... pas de problème. Je peux pas tomber ici, alors... faire du vent,
ça ne fera que du vent. Policier griffe. Essayer de faire des dégâts au pistolet pour faire la mission. Ok. Truc droit devant sur moi. Alors je sais pas où se trouve le truc, donc il va probablement falloir que je passe sans me trop me soucier du délire. Là-bas, il y aurait quelque chose. Oh non, Richard's in trouble. Be careful not to hit him. Wait, don't shoot me. Who knew the airborne types were so strong? Ça, je l'ai aidé quand même. Putain, ça recommence les mouches là. Ah, c'est ultra pénible. En plus, moi, c'est pas sur mon front et tout, quoi. Tu vois, elle vient bien m'emmerder. C'est incroyable. Ou alors, elle se passe sur mes doigts et tout. C'est ultra pénible. Le problème, c'est que je peux pas utiliser de bombe parce que. Il y a des animaux dans la pièce, quoi. Il y a la tortue, le rat, les poissons. Je peux pas. C'est super chiant. Thanks for the save, but what a thrill. Left it with such power and such a small frame. I'd love to see their giant. Un chef aux ailes noires. Super. Ah, le pont est fermé. Ah, mais du coup, je vais l'ouvrir. Je sais pas.
Attends. Éventuellement, je peux aller là-bas. Quoi ? Ben, je peux pas aller sur le gros tuyau. Aller plus là-bas. Merde, je vois pas comment on l'atteint lui. Ah putain, tu peux la faire bouger là-bas. Oh non. Allez, viens. Allez, go. Pourquoi ça fait ça? Vas-y, coupe ça. On peut pas? Ah, il est pas mort. Ok. Je sais pas ce qu'il faut faire pour sauver Alan. J'arrive pas à comprendre. Ah putain, j'ai encore du mal avec les touches, hein. C'est incroyable. Hein. Oh putain, il y avait un truc derrière moi. De piège. Ah non, épée reste. Soin maxi, vas-y, hein, tant pis. Au final, j'y arrive même au corps à corps, hein, celle-là. En vrai, ils sont pas dangereux.
Une fois que t'as commencé à comprendre que juste en l'envoyant ta légion bestiale, ça le découpait. Hein. C'est quoi, c'est indifférent lui? Ah oui. Mais bon. L'avantage c'est que lui, avec lui, je réussis tout le temps les trucs. Du coup, en fait, j'ai beaucoup d'animation, je suis invincible. Je vois toujours pas comment on pouvait aider l'autre. Hein, mais... Je sais pas comment on sauvait Alan. Bon, l'avantage c'est que apparemment il meurt pas, tant mieux parce que je l'aimais bien lui, donc et je vois pas trop il doit y avoir un truc que je vois pas qu'il faut faire, un truc à la con en plus. Me dis pas que c'était ça, c'était ainsi. En fait, pour sauver Alan, il faut aller là. Parce qu'après, tu vas là. C'est vrai que du coup, dans la précipitation. Je peux prendre une photo, non? Ouais. Probablement qu'après je pouvais aller le chercher ou comme ça. Ah, je suis un petit peu dégoûté, je vous avoue. J'aurais bien aimé sauver Alan de moi-même en fait. Mais ouais, j'arrivais pas à. J'ai essayé, j'ai vu une plateforme, je me suis dit, oh bah ça doit être ça. Parce qu'après, il faut juste que j'amène la plateforme en dessous de lui. Bah non, en fait, c'est pas ça. J'ai essayé d'aller ailleurs, bah non, c'est pas ça non plus.
J'ai essayé pas mal de trucs pour essayer de le sauver. Et... c'était pas ça du tout. Ça rend pas de la vie. Allez, tant pis, on va faire ça. Hein. À mon avis, là, il va y avoir un vrai fight. Évidemment. Je sais pas comment éviter toutes ces plumes là. Parce que elle peut vraiment nous faire tomber. On l'a bien vu. Donc, il faudra passer rapidement à la chimère bestiale. Hop. Alors ça c'est bâtard par contre, parce qu'il y avait vraiment qu'un petit trou là et j'ai réussi à tomber dedans quoi. What? De cochonnerie. Il y en a plusieurs qui sont morts. Elle va me faire des dégâts que comme ça, elle. Thank you.
c'est le bordel. Yes. Allez, ça dégage. Ok, maintenant on retourne sur l'homonculus ou je sais pas quoi. Est-ce qu'il y a des trucs à loot? Putain. Et il me visait vraiment par contre hein. Oh, il m'a touché hein. Il me visait vraiment hein, parce que j'ai essayé d'esquiver et il a quand même réussi à diriger son rayon. S'il visait pas, il m'aurait pas eu. Ça se fait que je peux pas utiliser les objets. Ouais, j'ai une grenade. Non. La place du. De la canette vide, qu'à faire. Est-ce que j'aurais. Là, il y a des trucs là. Mais j'avais des trucs de drone à missile. Ah, c'était uniquement dans l'autre mission. Ah, peut-être. Ouais. C'était peut-être un truc temporaire. Ouais. Combien de vie ça va me rendre? Pas beaucoup. Toute ma vie? Impeccable alors. Qui est par terre. Voilà.
Bah meurs. Est-ce qu'il y aura encore plus gros ou pas? Non. Hop, on détruit ce portail. On fait quand même assez rarement la même chose pour ce coup-là. Les portails, c'est assez rare qu'on nous demande d'enfermer. Hein. De cette manière, je veux dire, les petits portails comme ça, là. Il y a du gotage. Moi, j'ai pas eu l'impression qu'on en ait vu tant que ça. On en a dans les premières missions. Genre, voilà, oh il faut ouvrir un portail, hein, ouais. Did you lose sight of the homunculus? I'm still picking up a lot of energy in that area. Difficile de le perdre de vue, l'homunculus, je sais pas quoi là. Ne vous inquiétez pas, hein. On va le retrouver très vite fait. Merci, merci le loup. Hein. Oh, salut Kurumi, comment va? Heureux West. Oh putain. C'est que ce truc. Comment ça a pu avoir l'usage de ma main gauche? Nien. Qu'est-ce que c'est que ces histoires encore? Je crois que je l'ai pas ce truc. Je peux pas le prendre en photo. C'est le truc dégueuse de Mario Sunshine. Quoi. Le bordel! Mais... Tu sais que de raconter comme ça... D'accord. Je vais d'abord faire ça du coup. Pas d'idée à le gars. On peut l'affronter en close combat lui, mais c'est bon. Hop, dégage.
Parce que bon, dans le coup, je t'avoue que j'y ai pensé. Hein. T'as claqué la blague, j'ai fait non, je vais pas le faire parce que si jamais c'est un truc grave, genre il a eu un accident et tout, on sait pas. Comme ça faisait longtemps que je t'avais pas vu, je me suis dit, oh, ça se trouve, ouais, il a été hospitalisé et tout, c'est grave et tout. Puis là, je me suis énervé sur TFT. Aïe. Est-ce que lui il donne de quoi pour se soigner? Non. Putain. C'est entre guillemets marrant, ça. Y a des gens, quand tu les vois plus, ouais, je me suis remis en question, tout ça. Genre, comment dire? Ça serait, enfin, c'est pas la cause de Twitch quand même que tu vas pas bien ou quoi que ce soit. Quoi. Peut-être que si. Mais... Alors, tac. On peut pas aller par là. Ah. Ça sent quand même le combat final contre l'homonculus. Hein. Est-ce que ça concernait TFT du coup là... ça va pas être aussi simple. Ok. Ok. Bah écoute, ça fait jamais de mal, hein. On s'en sort en Godzilla quoi, petit à petit le truc. Mec de King Kong. Mais je peux passer par là ou pas? Ah ça y est. Je vois du stuff et tout. Ah son maxi. Je cracherai pas dessus. Il doit y avoir un coffre. Non. Je m'attendais à me faire attaquer, mais... Bon allez, suivons l'eau. Vais-je trouver de la pâté pour chat? Ah non, un chargeur limité. Tellement pas maniable en fait, ça va super vite mais... Ah.
Pour aller tout droit, ça va, mais alors après. Bah alors, on n'arrive pas à m'attaquer grâce à ma chimère spéciale esquive. Par contre, on fait moins, vraiment moins d'attaque. C'est vraiment utilisé que sur les abominations. Quoi. C'est bon. Regarde ça. Ah, que c'est poétique quand Yerson arrive. Bonsoir les glandus. Ah. Bon, je pense que c'est les combats finaux. Enfin, je sais pas. Quelque chose me dit qu'on va l'affronter en haut de l'immeuble. Est-ce que je préfère que tu parles de politique? Ah! Non. Voilà, Yerson est désormais officiellement le glambe. Oh, soignez-le! Ah, on n'est pas encore en haut? Ah, on est en haut, mais à mon avis, c'est un peu plus compliqué. What? Ah oui, il est en train d'aspirer toutes les chimères. The homunculus, it's on the side of that building. It's absorbing more data. That can't be good. Get rid of it quick. If it evolves any further, even you might not be able to handle it. Non. Non, bah ni pas Kurumi, voyons. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu ici. On va pas lui donner envie de repartir quand même. C'est mon petit protégé. Chat. Il y a tellement de... C'est sûr qu'il y a un chat. Ah oui, là-bas. Mais on est bien d'accord. Ah, peut-être qu'avec la pâtée pour chat, ça me permet de les attraper maintenant. Ah, j'ai jamais essayé. Ça se trouve, je peux faire la mission secondaire des chats, mais je le sais pas. Ouais, on a autre chose à foutre, je crois. Hein. Oh, j'irais bien sauver Oscar, le garde-fil, le chat qui est coincé là. Il y a ça à côté. Ah, t'es devenu de gauche, Yerson, je savais pas. C'est les proto-légions. Allez, par contre, eux, ils font très très mal. Hein. Les connasses! Ma photo!
Utiliser une grenade. Grenade! Alors ça a fait hein, quand même des dégâts mine de rien mais... Wouhou! Essayer de les combattre au corps à corps, mais il y en a une qui est morte. Le problème, c'est qu'elles font tellement des... Oh, elle fait pas si mal que ça. Elles ont baissé de... Soit elles ont baissé notre puissance, soit on a vraiment augmenté notre puissance depuis, mais elles sont moins fortes qu'avant. Faut que je me calme. Ah, elle a réussi à buter l'autre. Nice. Akira sert à quelque chose. Bon, je suis en train de me faire dégommer, mais... Ah, les proto-légions, les premières fois qu'on en a croisé... Ça fait très mal. Du coup, je me demande si on va l'affronter, elle, en vrai. Parce que l'homoncudus, ça fait deux fois qu'on s'en tape un. Faut que celui-là, il peut évoluer, apparemment. Oh. Très bien. Ou les deux en même temps. Elle le contrôle. Elle me contrôle. Mais toi, t'es tellement le vrai méchant. T'as cru que j'étais dans Big Bang Theory toi ou quoi? Oh! Oula 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 oula. Pour l'instant j'arrive à esquiver mais... Enfin vite fait. Est-ce que j'ai écouté un peu de rap à l'ancienne? Oui, quand j'étais plus jeune. D'ailleurs, j'aimais bien le rap. Les années 50 Cent, ce genre de délire. Mais le nouveau rap, je sais pas, j'ai un peu plus de mal. Est-ce que j'ai pris une photo de ce truc? Mais what? Hey,
J'arrive pas à le cadrer déjà. Mais c'est quoi ce boss? On peut pas le prendre en photo. C'est honteux. T'es trop gros. Lui casser la main. C'est plus compliqué de toucher la tête, hein, j'ai rien. Ouais. Olé, 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 olé. J'ai l'impression de jouer à Monster Hunter. Comment ça, grossophobe? J'ai le droit, je suis gros. J'attendais pas à me prendre un coup de laser. Ah oui, il arrive à se retourner quoi. Bah justement, moi je voyais pas sa vie. Alors, on est nul? C'est tout? Genre, franchement, on a vraiment plus galéré sur d'autres chimères que sur le boss de fin, si c'est vraiment celui. C'est ça, nul, putain, non, plus si c'était en privilégié. Ah, mais qui vous dit que je suis 6? Je peux très bien être bi, hein. Ça, vous pouvez pas le savoir, monsieur. Qui vous dit que je suis blanc? Je suis à demi libanais, demi mongol, demi scandinave. Hein. De libanais, roumain. Bon, retour au QG, mais apparemment, est-ce qu'on a chopé Jenna? Je suis retombé sur un truc, faut que je te l'envoie sur Didi. Ah. Excuse-moi, j'avais pas eu... Parce que je me suis un petit peu concentré quand même. Bon, après, j'ai fait qu'un dé. Hein. Alors, bulletin de paye. Vous avez sauvé le monde. Franchement, 2000. Pas plus, les gars. Écoutez, est-ce que tu as fait Bac plus 2? Non. Bon, bah voilà. Tu fermes ta grande gueule, maintenant. Quoi? 4560 euros pour avoir neutralisé l'homonculus, qu'il n'y a que moi qui pouvais le faire? Mais j'ai gagné plus d'argent en nettoyant le caca rouge, là. J'ai gagné 5002. Monde de merde. Mais je suis...
Dans un monde où les éboueurs sont mieux payés que les super-héros. Commander, about his case, I know. It is true that the hero is devenu trop répandu comme métier. Capable of stopping Jenna, and the future of the human race depends on both of you. In addition to that, I suppose your actions today also merit consideration. Ça c'est depuis que Marvel est arrivé, il y a une saturation au niveau du marché des super-héros. Bon, il y aura pas de sanctions parce que t'as sauvé le monde. Mais attention, la prochaine fois, c'est le renvoi. Bah, je m'en fous, j'ai déjà une place chez les éboueurs. C'est le seul homme que le taux de synchronisation fait de lui littéralement un surhomme et un mec incroyable. Personne dans le monde arrive à faire ce que ce personnage est capable de faire. Et là, le gars, il regarde, il fait. Attention, on sera peut-être dans la merde, le monde sera détruit, mais on va te virer. Je suis Joseph, vous le voyez à mon accent, je suis allemand et donc le méchant. Je suis Joseph. J'aimerais bien savoir combien elle a été payée, la chanteuse, aussi. Franchement, plus cher que ton perso. Déjà, ouais, c'est sûr. Non, parce que franchement, chanter comme ça. Je veux dire, je mets un jean à braguette. Je le ferme un petit peu trop rapidement lorsque je chiotte. Et si la peau de mes couilles est bien placée, je te fais un chant exactement identique pendant des heures. Genre, la boucle sera pas de 10 secondes. Et je demanderai moins cher. Sinon, Utopia... Ah ! Eh bien, figure-toi qu'on n'a pas discuté avec Lady. Étonnant. Par contre, en cherchant dans les papelards, on a retrouvé ce cahier. Et en fait, ce cahier, dedans, il y a tous les personnages en fait d'Utopia que j'avais créés et les différents scénars. Donc, je me suis tapé quelques épisodes d'Utopia pour regarder quel perso, parce que tout, c'était pas à jour. Il manquait les persos qui est de la dernière vidéo qui ont été sauvés. Et dedans, du coup, il y a des brides de scénario qui étaient commencées, et ça m'a permis, du coup, de récupérer une très très grosse avance. Donc, effectivement, on n'en a pas spécialement encore parlé avec Lady. On aurait pu le faire ce soir, c'est vrai, on a discuté d'autres choses à la place. Mais du coup, on... En fait, sans faire exprès, ça a avancé. C'est ça qu'il faut comprendre. Non, je dois aller à l'infirmerie. En fait, j'ai récupéré les stats de tous mes PNJ, ce genre de choses, et c'était un truc, honnêtement, c'est pareil, c'était un peu lourd, mais là, non. Et j'ai même, du coup, j'ai de nouveau récupéré des infos que je me souvenais plus du tout, parce que c'était il y a longtemps. Je vais acheter 200 maxi. Pas besoin d'acheter plus, on va dire. Ouais, du coup, c'est assez nickel. Donc j'ai préféré quand même regarder d'abord les vidéos et avoir vraiment conscience de tout. Parce que le problème, c'est qu'après,
quand j'ai commencé un tout petit peu à en parler avec Lady, parce qu'on a commencé à énoncer les vite fait quelques trucs, elle m'a avoué qu'il y avait certaines choses, bah, elle se souvenait plus trop, quoi. Et moi non plus. Donc là, l'avantage, c'est que c'est de nouveau frais dans les mémoires et que j'ai mon support visuel. Donc du coup, ouais, on va pouvoir faire ça. On aurait pu le faire ce soir, c'est vrai. Mais comme un gros schlag, je préfère regarder la fin de Big Bang Theory, puisque je ne la connaissais pas. J'avais pas vu les derniers épisodes de la dernière saison. Il me faut des codes matériels de luxe. Ça se trouve, l'émission les a faites. Alors, ça a pas l'air d'être le boss de fin, hein. Parce que c'est pas fini, là, après avoir battu l'homonculus. Hein. Surprise, c'était le tuto. On n'est pas dans Dark Souls, les gars. Remarque, il y a P, hein. Terminer le fichier 08. Nani. Bah. Hein. Non d'auto. Mouni. Solus Astral Chain. Allez voir. Allons voir Akira, ça se trouve, c'est juste une petite cinématique de fin entre eux et puis c'est tout quoi. Bizarre, hein. Ça doit être une cinématique, c'est pour ça. Ça termine que t'as fini le jeu en fait, le truc P. Et c'est tout quoi. Ou alors ils ont compté ça dans le chapitre 7. Ah bah j'espère qu'il n'y a pas un autre gros chapitre, parce que je m'attendais à finir le jeu là. Bon là c'est un petit peu rapide, hein, une heure de stream, c'est pas... J'aime bien faire deux heures moi. Ça arrive qu'on soit sur les 1h30, mais... Voilà quoi. Bah par exemple, tu vois, ton perso Urson, il est pas dans le cahier. Du coup, je sais plus où j'ai marqué quoi que ce soit sur ton perso. Sûrement sur ta fiche, tu me diras. Good, you're both here. I want you two to get rid of the gates that have opened. They're close to where you took down the homunculus. We're not in a rush. So feel free. All right, get to work. Apparemment, on a un petit peu quartier libre. On peut faire un peu ce qu'on veut. Ok. Un peu la réparation quoi. Non mais à la base il me semble que j'en avais fait on avait fait des jets et tout, je sais plus par exemple combien d'argent je t'avais octroyé. Je sais que t'avais eu un très bon jet mais. Il doit y avoir un dernier petit truc à faire. Ok. Avec la légion bête, ouais, si tu veux.
Là. Là. Les PNJ, je crois que je les ai notés sur mon dossier numérique. C'est moi ou j'en ai trouvé aucun? Ou alors j'en trouve mais je fais pas attention. Ah d'accord, en fait tu fais ok, j'ai rien dit, si, en fait c'est, tu nettoies les débris, tu nettoies en creusant en fait. Tu nettoies en creusant tout simplement. On fera toujours rigoler ça. Ritano. Après faut bien comprendre en fait le problème là, le truc du roleplay, c'est que bah, effectivement tout est ok, tout ça hein, c'est pas ça le souci, mais aussi bah, avec le boulot il va falloir que je m'arrange pour ralentir accélérer la production des cartes. Donc du coup je pense que ce qui va se passer c'est que les cartes, vous aurez des sessions où il n'y aura pas de cartes en fait, vous n'aurez pas de support visuel. Et puis tant pis quoi. On fera un peu à la va-vite. Et si j'ai besoin de pas faire de cartes sur Roll20, bah du coup on pourra plus facilement en faire quoi. Qu'est-ce qu'il fait? Casse ses couilles. Ah, les mouches, elles vont m'emmerder, mais alors d'une de ses puissances. C'est super chiant, bordel. Pourquoi est-ce que tu dis ça, West? Ah, mais merde! Putain, quand j'ai tourné, comment ça... Wow.
M'aidez pas surtout. Pourquoi on n'utilise pas les chariots élévateurs là? Je comprends pas. Ah putain. Parce que le but c'est de faire ça en fait. Death Stranding. Ah, il paraît que c'est un peu ça, Death Stranding. Combien on parie que Death Stranding, ça va être le jeu typiquement qui va m'énerver de ouf, vous allez m'entendre rager. Et à la fin, je vais vous dire, putain, c'est génial, parce que c'est du Kojima. Bon, vas-y, mais c'est trop chiant. Attendez, c'est ça les missions de fin du jeu? Allez vous faire enculer. Cordialement, Dédé Lucas. C'est marqué Colissimo sur moi? Je ne pense pas, monsieur. Oui, succès, c'est cela, faites ça. Ah, t'as pris le jeu, t'as pris ça? S, et voilà, c'est comme ça qu'on fait les mecs. Je suis un peu le boss. Ah, des tas de voitures. Bah, on va vous aider. Mais c'est Switch Party ou quoi? J'ai pas pris Astral Chain, c'est une bonne idée. Je sais pas combien il est Astral Chain en vrai. Déplacer toutes les voitures qui encombrent la voie. Utiliser la Légion Point pour déplacer les voitures. DLC de Doom Eternal, oui c'est possible. Je sais plus quand, mais oui, ils avaient dit pas longtemps, ils avaient, il y a pas très longtemps, je les ai entendus, j'en ai encore entendu parler. Je suis le top de l'efficacité. Yes. Oui, monsieur. C'est en retard. C'est bien beau de t'arranger ce que j'ai. Vous avez fini. J'arrive à 50 000 points de service en 2 minutes de d'emmener, alors je sais plus ce que tu racontes. Nettoyer. Mais il suffit de passer avec le mode bête. Ok.
ça plus facile avec cette lumière, avec la lumière. Hein, même. Taper contre quelqu'un donc il est pas content. Ça va. J'ai vu le trailer en jeu à Fallout 76. De quoi il y a des pubs dans Fallout 76, genre. Tu joues à Fallout 76 et tout d'un coup viens jouer à Doom. C'est vachement mieux. De pas loin, mais j'ai pris trop de temps. En fait, c'est plus des mini-jeux que des missions, quoi. C'est pas que je m'en fous, quoi, mais bon. Quoi ? Mais arrêtez de retenir ça sur mon salaire ! Bordel, j'ai sauvé le monde ! Si j'ai envie de vous cracher à la gueule, je le fais. Oh. Oh, c'est plus du mini-jeu, hein, donc. La vérité, c'est que je pense qu'on s'en fout. Don't you think we should help the others first? I have a feeling we'll have our hands full if we put it off until. Okay. Ah, c'est bon. Hein. Finissons officiellement le jeu, s'il vous plaît, madame. Oui, bah oui, parce que le prochain DLC de Doom Eternal, il sera aussi en standalone. Tu seras pas obligé d'avoir le jeu pour jouer au DLC. Quel intérêt de jouer au DLC avant de jouer au jeu, je ne sais pas. Peut-être pour n'installer que le DLC. Ah, c'est même pas qu'on s'en cogne, c'est que. Ça a plus l'air d'être des mini-jeux que des vraies missions, quoi, vous voyez. Donc bon, moi je veux bien. Je veux bien les aider, tout ça, mais. Si c'est pour faire que des petites missions comme ça. Bon, merci, quoi. Je préfère. Un jour, je relancerai peut-être le jeu, je referai les missions et j'essaierai de faire plus de missions secondaires que j'aurais pas encore fait. Mais. Voilà quoi. Mais je pense, ouais, je vais l'acheter le jeu. What? Deux secondes, j'ai cru que c'était des proto-légions. Mais non, ça va. Faut faire des mini-jeux pour qu'ils finissent ce jeu.
Ah pitié, non. J'espère pas quand même. Alors, en soi, le jeu n'est pas trop long. C'est juste moi qui ai envie de le finir là, parce que voilà, j'ai fini le jeu. Pour moi, j'ai fini le jeu. Ça se trouve, je le sais pas, mais là, on parle d'un... d'un portail qui en fait te défendre contre tous les monstres du jeu, y compris les boss. Et donc c'est pas t- Non mais c'est un bon petit jeu avant Bayonetta 3 hein. Franchement. En effet, ça crache du poison quand même. Une sorte de poison, j'ai l'impression. Oh, le carnage. Je sais que je peux passer, connard. Bah, battre le boss de fin avec la Légion Bête, ça n'a rien d'incroyable. Là, avec la Légion Point, en vrai, pourquoi... Et encore que la Légion Point, à partir du moment où elle peut lancer des trucs, elle fait extrêmement mal. Hein. Mais il manque une Légion, la Légion H. C'est bizarre que je l'ai pas. À moins de la combattre... Je pense que c'est Jaina qui va débarquer, on va la combattre et... Voilà quoi. Now that you're here, I want you two to start. Let's wrap this up fast. Et du coup, on obtiendra la légion la plus puissante. Ah mais attendez, c'est un portail. Et laissez-moi entrer là-dedans. Là, avec Akira à nos côtés... D'ailleurs, il y a un mode de joueur. Hein. Alors je sais pas si c'est chacun sur sa Switch ou autre, mais apparemment il y en a un qui peut jouer la Légion et l'autre joue le personnage quoi. Je trouvais ça assez intéressant de le dire parce que c'est avec la chaîne et tout, la chaîne astrale,
Et le fait que tu dois sauter, t'as des sauts où il n'y a que la... la chimère qui peut la faire. Ça veut quand même littéralement dire qu'il y a moyen de faire un jeu multijoueur qui en vrai est très sympa. Imaginez s'il faut battre l'autre à la course. S'il faut battre Alan pour nettoyer les rues quoi. Pourtant j'ai mis ma chaîne au bon endroit. Il y en a encore combien là de connards comme ça là. Deuxième round. La Légion Bête est tellement pétée. Il a implosé le truc. Le médecin il va peut-être pas être content parce que du coup j'ai pété le... j'ai pété le portail. Ah bah non. Bah les couilles frère. Écoute... merci. Alors pour fermer le portail... Non ça. Pour fermer le portail, je dois réussir... Ah mais ok d'accord, c'est complètement débile mais ok. Pas demander au jeu d'être logique. Un portail. Allez, go. Tous les portails qu'il y a dans le jeu. Quoi. Ah. J'arrive. Ils font déjà un peu plus mal hein. Maintenant. Hop, allez, full life.
Ouais, tout de suite, c'est un peu plus... Bah, eux, ils sont plus chiants, ils font très mal. Il faut jouer un peu plus défensif, normalement. Ils sont pas très forts. Bonne soirée Kurumi. Et quand tu veux. Je pense qu'elle est morte. Elle. Ah, j'aurais peut-être dû laisser l'action de dégâts. De super attaque, pardon. J'aurais peut-être dû laisser l'action de super attaque et ensuite achever. J'avais pas vu que le sol était comme ça. C'est vrai qu'on pourrait lui envoyer directement dans la gueule. Et voilà. Fin du portail. Dégueulasse. Je vois des coffres. Non, c'est pas grave. J'ai tellement l'impression de jouer à Mario Sunshine. Et encore, Mario Sunshine, il t'obligeait pas de souvenir à nettoyer tout. Tu pouvais le faire, mais vraiment... quand j'étais gamin, je m'amusais à faire ça avec Mario Sunshine. Je m'amusais plus à nettoyer qu'à faire vraiment le jeu.
Et du coup, comme je m'amusais à faire ça plutôt que de faire le jeu, je considérais que Mario Sunshine, c'était sympa, mais c'était pas, comparé à Mario 64 et Mario Galaxy, il y avait rien du tout, mais alors rien du tout à voir. Qu'est-ce qu'ils ont avec leur nettoyage là ? Vous êtes sérieux ? Donc là le délire c'est que vous voulez que je nettoie quoi. La fin du jeu c'est ça, c'est il faut que tu nettoies frère. Sticker, toi, apparemment faut aller là-bas. Ils mettent une musique et tout, ils sont là en mode ouais, t'as vu, il se passe des choses. Tu pourrais presque croire que c'est épique. D'ailleurs, je suis très content que le prochain jeu sur Epic Game Store ce soit Railway Empire là. L'autre jeu, je connais pas, mais. Mais Railway Empire. J'ai pas nettoyé de l'autre côté ? Plaisanterie. Ça sert à rien de les achever pour l'instant. J'ai cru que je me prendrais l'attaque donc. Je me demande s'il va vraiment y avoir une finalité et tout. Mais ça fait des bruits de chèvre! Voilà. What the...
Bon, moi, on a un gros en moins. Ça compte pas dans le nettoyage ou quoi? Bah. Quoi? Regardez tous les portails qu'il y a encore. Vous êtes sérieux? Genre. Je peux pas me baisser? Bonjour, je suis Mongol. Ah, mais en fait. Oui, d'accord, d'accord. Il va y avoir un passage du coup pour aller là-bas après. Ok, ça n'a rien à voir du coup. C'est normal. Non! Oh, ça remet là! Oh, relou! Oh, oui, ça va être relou, ça va vraiment. Non, c'est pas ça le délire quand même. Oh, alors ça, ça va être vraiment relou. Stoppé de touche, putain. Ah, le jeu, il pardonne pas sur ça. Tu te trompes de touche, t'es mort. Non, le chat. Can you hear me? It's swarming with chimeras in here. Woo! This is gonna keep me busy for a while. Take care of cleanup over there for me, all right? Ouais. Oh ouais, non, ça va être ultra pénible. Non, ça c'est relou. Hein. Ça c'est vraiment relou. Qui est le con qui a imaginé un truc comme ça, qu'en plus à chaque fois ça reviendrait à zéro. Ça se voit que c'est relou, non? Tu peux pas créer un mini... c'est pas une mission, quoi, c'est un mini-jeu. Manquerait plus que ce soit une mission en plus. Voilà.
faut atteindre les portails en esquivant en esquivant ça hein. Faut réussir en fait à être à portée de chaîne astrale des portails pour ensuite les enrouler. Pour pouvoir les nettoyer. Mais soyons honnêtes, enfin, en fait, c'est une bonne idée, mais à partir du moment où tu te retrouves à... Ah putain, j'ai plus de charge. C'est relou, c'est qu'à chaque fois que tu tombes, ça se remet en place, quoi. Donc tu galères, et puis au final, ah mais oui, mais je peux éventuellement passer comme ça. Non, c'est chiant, hein. Faut pas oublier que je peux tomber quoi. Tu peux tomber. Ouais, attends. Tu peux te prendre les boules. Ils tirent plus vite que d'habitude en plus. Par hasard. Bon. L'avantage c'est que la super armure permet de contrer ça apparemment. Tac. Est-ce que je peux là? Putain, j'ai appuyé une fois trop parce qu'il est pas apparu automatiquement sur moi. Ah ça, non ça c'est relou. Ça c'est vraiment relou. C'est ça l'émission de fin les gars? Remettez-moi le boss de fin hein. Remettez-moi un homunculus géant et tout, hein. Là, de toute façon, ça c'est mort, j'y arriverai pas. Faut de la patience et tout, vas-y, c'est bon, ça m'a saoulé. C'est évident que là, j'aurais pas le temps de les faire en 15 secondes. Il y en a encore là-bas, en plus. Ah, c'est ça, aide-moi. Ah, merci. Dieu merci, c'est juste une mission bonus. Parce que là, non, c'est vraiment relou. Ça combine tout ce que je n'aime pas. Ça combine les plateformes, ça combine... bon, là, c'était pas vraiment des problèmes de caméra, mais bon, faut faire gaffe et tout. Enfin, ouais, non, laisse tomber. Wait, what? It's really close to where you... Yeah. The signal's coming from zone 36 to people, but don't get... Okay. Tiens. Notre père serait là-bas. Après, je dis pas, hein, c'est un bon challenge, hein. Y a pas de problème, mais non, c'est relou. Je me doute que c'est fait exprès, mais... Ça m'emmerde d'appeler la Légion Bête, donc
Ah mais du coup je peux quand même aller là. Mais ta gueule, je regardais s'il y a des trésors ou autre. Je t'emmerde moi. Là, c'est pas par là. Qui se relève 200 ans après. Forcément devant il y a des ennemis. Je trouve que c'est pas très très précis et même la jauge. Bienvenue chez Josh. Même la jauge, bon. Après, tu trouves, hein, la preuve, moi j'y arrive, donc. Après j'avoue j'ai bien envie de savoir ce qu'ils y arrivent à notre père du coup. Est-ce que on va le revoir vivant et tout, ce serait trop bien. Ce serait une bonne façon de terminer le jeu. Attendre quand même, non? C'est pas ou que ça sera un piège, un truc comme ça, non? Non. Oh pitié, une arène, hein, pas un truc relou avec 500 milliards de... d'énigmes et tout, s'il vous plaît.
Moi je pense que c'est la Légion H, hein. Y a pas de problème à ce niveau-là. Hein. C'est sûr et certain. Ce qui m'étonne, c'est qu'on l'a... C'est même plus l'avoir à la fin du jeu, là, c'est... C'est... ne pas l'avoir du tout, en fait. Genre, hé, tu veux la Légion H ? Il va falloir vraiment aller à la fin du jeu, quoi. Elle doit être puissante par contre. Parce que tu nous fais pas miroiter une légion comme ça pour rien, j'espère. Que c'est relou les phases de plateforme, putain. À l'aveuglette comme ça là. C'est évident qu'il y a un truc là-bas. Hein. Allez hop, le contre. Merde, j'aurais pu l'achever. Brr. Ça m'aurait permis de choper de la vie. Chose me dit que si j'allais trop loin de la zone, elle se désagrégeait la plateforme. Ça ressemble à une amélioration du loup au final. Pourquoi j'ai perdu énormément de PV d'un coup, hein. Peut-être parce que je suis tombé. Et ce, plusieurs fois. Parce que le jeu a décidé de me faire tomber. Ah putain, il faut qu'on batte avec la matraque. Ah, puis derrière, en plus, lui... Je peux les achever, du coup j'aurais pu gagner tous mes PV.
que c'est cruel. Brr. Oh, il est où le piège? Bon bah du coup c'est pas une arène hein, c'est plutôt un donjon. Je suis okay, déçu. Ou contre la chimère qui a pris possession de sa tête, j'imagine, enfin de sa tête de son corps. Parce que à chaque fois ils ont essayé d'enlever les humains qui les maîtrisaient. Alors est-ce que c'est pour se venger? Est-ce que ça a une autre signification? On va savoir. Venir là. Ça serait pour aller là-bas. Non ? Ou pour bien aller là. Pour voir en diagonale et du coup taper là-bas, peut-être. Ah! Tout ce qui est. Il n'y a pas grand chose de japonais, entre guillemets, enfin de production japonaise qui parte pas dans le pouvoir de l'amour et de l'amitié. Enfin là, ça a pas l'air d'être vraiment ce délire là, hein, au final. Hein. Pour le coup. Pour le coup, je trouve que ça va. Ah, c'est bon, j'ai compris ce qu'il faut faire.
J'avais complètement oublié que ces piliers là, tu pouvais faire ça avec eux. Enfin, que tu devais faire ça avec eux. Tu devais les réunir. Ça, c'est plus ou moins fait. Akira, bien sûr, elle allait passer sans aucun souci. Hein. C'est ça que j'arrive même pas à revenir en arrière, moi. J'ai juste pas vu. C'est un peu relou aussi, honnêtement. Ah, faut aller là, je suis pas encore allé, je crois. C'est un peu relou les zones comme ça avec des. Avec des énigmes. Ha! Allez, on prend le caillou. Il va y avoir sûrement des ennemis qui vont nous attaquer. Non? Oh. Oh, ça va alors. Oh. Putain. Bah oui, parce que j'ai voulu les prendre en photo et comme là sur la panique, j'étais en mode j'appuie sur quel bouton déjà pour me débarrasser de l'appareil photo. Parce que c'est forcément ce n'est pas le même bouton que celui qui l'active. Bah non, hein, c'est pas le même. Ça c'est pour changer de filtre. Je sais même pas ce qu'il faut faire exactement. Il faut appuyer sur B. Je rappelle que sur la Switch, B c'est le bouton du bas. Hein, donc le bouton qui dans tous les autres... dans toutes les autres consoles et autres. Le bouton vers le bas c'est pour confirmer. Donc... c'est pas que c'est une excuse, mais... Ah bah Kira, elle commence à m'emmerder, moi je vous le dis.
Les trucs qui réapparaissent. Ah, merci. C'est ça qu'on voulait. Oui, le padre c'était celui qui contrôlait la Mimesis H. Oh putain, il y avait des pièges. Oh, ça c'est bâtard. Il y avait des pièges sur le sol. Je vois pas trop comment l'esquiver. Il reste plus rien quoi. Elle m'aura enlevé 3 batteries elle. Putain la vache. C'est bon ça, elle est loin d'être intuable hein. Yes, la Légion H. Qui permet d'ouvrir des portes, enfin de casser des gros boucliers d'un coup, ce genre de choses. Qui apparemment possède un bouclier. You could take those helmets off. Those things aren't just for show, you know. You're police now. You're not civilians anymore. You gotta follow police regulations. Yeah, yeah.
You've told us 100 times. We know. Oh, and since when were you a stickler for the rules anyway, Dad? Right? You're not exactly filling me with confidence. I still really don't get it. You know, I never expected you guys to grow up to be police. Didn't even tell me you'd signed on. Come on, Dad, it's obvious. We want to save the world, just like you. Wait and see. You don't have to fight alone anymore. Do you even hear what you're saying, kiddo? Just focus on not getting yourselves killed, okay? Roger. Saying Roger is one thing. Do you really get what I mean? Anyway, just don't make me bail you out too much. Got it? Something wrong? Nah, it's nothing. All right. Hey, you over there. Do me a favor. Hey, what are you doing? This is a big day for you. Come on, say cheese. Bah, je sais pas, apparemment. En tout cas, ça, c'était même pas dans... C'était même pas dans la soluce. Voilà. Rapport... La théorie, c'est que avant, tu avais déjà fini le jeu. C'est-à-dire que quand tu finis le fichier... Là, c'est le fichier 8P. Quand tu as le fichier 7, que tu bats l'homonculus, là, sur l'immeuble, normalement, c'est déjà fini, en fait. Apparemment, faut accepter que notre... Que notre père apparemment est vraiment mort et tout. Il y a peut-être un boss caché, un boss final. Quand tu 100% le jeu et tout, hein, bien sûr. Peut-être. Moi je m'attendais à ce qu'on retrouve notre père à la fin. Qui en fait a réussi à survivre et tout, mais... Du coup, là, t'as probablement la légion la plus puissante du jeu, et donc du coup, tu dois pouvoir, à partir du moment où c'est du combat, tu dois pouvoir facilement gagner, quoi. C'est vrai qu'il y a elle encore, qu'est-ce qui lui arrive, du coup? Excusez-moi, hein, j'ai pas eu beaucoup de temps... de sommeil aujourd'hui. Ça voudrait dire qu'il pourrait y avoir un Astral Chain 2, et dans ce cas-là, je suis preneur. Quoi ? Attendez, mais... What the fuck? Bah ouais, je crois que la soluce effectivement elle a un peu fumé. Ouais. Pas de chrono, rien. Bah, allons voir une autre soluce. Bizarre cette histoire. Vidéo.com. Brr. Ah mais j'ai encore tout ça à faire. Il y a 11 fichiers. Oh ouais. Mais attendez. On est loin des 7. On est très loin des 7 fichiers.
Oh, moi qui me comportais comme si c'était la fin. Absolument pas en vrai. On est encore loin de la fin en fait, hein. C'est à la fois une bonne surprise et à la fois, bah ouais, bah du coup, vous aurez pas la fin ce soir et moi je vais pas continuer à jouer. Hein. Ouais, je me disais, ouais, c'est vrai que pour une fin, c'était un peu bizarre. Je m'attendais à ce que le homonculus soit vraiment le boss de fin. Mais il faut croire que non. Quel bâtard. Oui, c'est vrai, oui. Le problème, c'est... Je sais pas quand est-ce que je vais les faire, pour le coup. Oh, non, mais ça, c'est bâtard. Les mecs, ils te foncent vraiment dessus, quoi. Oh, il essaie même pas de t'esquiver. Ok, still not done here. Take care of this one too. Bah. Ah oui, non, mais c'est rassurant, bien sûr. Pour le coup, je trouve ça vraiment cool. C'est une bonne surprise, hein. C'est juste que je suis en mode, bon, bah, du coup... Parce que demain, on pourra pas live. Demain, je pourrais pas faire de live. Ah putain, en plus, ils ont des... Ils changent de comportement au niveau de la course. Oh, j'ai de la chance. Il y a clairement, il y a des choses à faire. Moi, j'avais peur que ce soit un jeu d'aventure que tu finisses en une quinzaine d'heures. Au final, c'était quand même beaucoup plus. Et au final, ouais, mais c'est encore pire que ça, en fait. T'as quand même largement de quoi faire, hein. C'était autre côté. Ah, c'est déjà ça, hein. Pour finir le jeu à 100%, tu dois quand même bien y aller, hein. Parce qu'en vrai, on a fait quoi? On a fait... Je sais pas combien d'heures de jeu on a. Mais t'as vraiment largement de quoi faire, quoi.
Bah tu vois, par exemple, Spyro le Dragon, au final, la trilogie, tu vas la finir aussi vite que tu vas finir ça. Hein. Si vraiment, si tu t'investis sur ce jeu-là et que Spyro, tu fais pas les 100%... Hein. Bah retournons avec Akira. Hein. Après, je vous cache pas que je pense... Je vais m'arrêter là et puis c'est tout. Tant pis. De toute façon, Spyro et Crash Bandicoot, c'est dans ma ligne de mire, avec Jak and Daxter et Ratchet & Clank. Faut que je joue avec Lady si ça l'intéresse, parce que c'est le genre de jeu qu'elle aime bien, donc... Vas-y. Moi qui disais encore que Super Solus était un site fiable il n'y a pas très longtemps pour Dark Souls 3. Ah, je pensais vraiment dire que hier j'ai pas live au soir en me disant bah, de toute façon je suis aux trois quarts du jeu. Apparemment. Surtout que je fais pas tant de missions secondaires que ça. Bon, quand j'en vois une, j'essaye de la faire quand même. Vous me connaissez, j'aime bien finir mes jeux assez vite, mais je les rush pas non plus quoi. Looks like you got there in one piece. They're almost done evacuating the civilians from Harmony. The local police are already there on watch. But you two have been assigned to the central intersection. There's no telling what could happen right. Ok, il y a un petit garçon à rendre à sa maman. Fouiller la zone à coup d'iris. Je connais cet endroit. Ah bah au moins j'ai trouvé les chiottes d'ici. Je suis en train de faire caca qu'il y a des fées des ténèbres qui apparaissent quoi. C'est vrai que je pourrais tester ça du coup. Ouah, elle est lente. Elle est très très lente. J'espère qu'elle envoie des sacrées patates parce que sinon... Bon, je pense, hein, vu la taille du bazar. Ça reste la chimère qui va lui donner plus de mal quand même. Elle m'a donné plus de mal que le boss de fin. Our post is up ahead. Once we take point there, we... Allons-y. Okay. Look. Mais moi je m'arrêterai là. Allez. Écoutez, on va regarder la petite cinématique. C'est bien quoi. Listen to my voice. Soon, very soon, I will bring you justice.
will open the gates to our true future. Abandon fear, and you will know true peace. Jenna, over there! How foolish. You people are leading all of humanity straight to death. Terra nous donne du challenge, Jenna, parce que... You're the terrorist here. You don't understand. My heart goes out to you two. All because of how you were born. Doomed to be used by those idiots until you die. Chained to your fate. Powerless. But if you stay quiet and open your eyes, I might even save you. What the hell? Séparé d'Akira. Vous n'avez pas pu faire ça avant. On veut un homunculus. Un deuxième. On s'arrête là. On va s'arrêter là, on s'arrête là. Du coup, la prochaine fois, donc demain, je dis, je ne pouvais pas live. Je dois encore réparer le scooter. Je commence tôt mercredi matin, si bien que je dois me lever probablement à 3h30, 4h du matin. Bah ça dépend si mon scooter il est réparé ou pas. Si on arrive à le réparer demain. Mercredi, jeudi, vendredi c'est mort. Vous aurez pas de stream non plus parce qu'au soir je vais à mon club de Warhammer 40 000. Il faut voir pour mercredi, jeudi, mais le truc c'est que mercredi, jeudi... Je me couche vers les 18h, 19h, un truc comme ça, parce que je commence... En fait, cette semaine, je commence vers les 5h du matin à chaque fois. Et vu que si jamais mon scooter ne marche pas, je serai en vélo. Ça veut dire qu'il me faut 1h30, je crois, pour aller au boulot. Donc, je me lève très tôt, quoi. Du coup, je suis obligé de me coucher très tôt. Donc, même si je reviens pour les coups de 14h, ce genre de délire... Bon. Je peux éventuellement streamer 2h par-ci, 2h par-là en après-midi, mais ça sera rien de transcendant. Puis je viendrai de finir le boulot, je serai fatigué, donc je ne sais pas. Probablement du coup le week-end finalement. L'alerte sonne qui n'a pas fonctionné. Il y a une alerte sonne. Aïe. Je vais vérifier ça. Parce que des fois, ça arrive, les alertes sonnent qui fonctionnent pas. Mais du coup, ouais, ça va être compliqué de... Et comment dire ? Ça va être compliqué de streamer cette semaine.
Tu me diras, si je, quand je serai d'après, ça sera pareil, je pourrais pas streamer parce que je reviendrai. Même si je commence à 14h, ça veut dire que 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, c'est-à-dire que je termine à 21h. Le temps de revenir, de manger tout ça, je n'en serai pas parce qu'il sera après 22h. Donc, ouais, c'est compliqué. Ça sera sûrement au niveau des jours de repos, tout ça. C'est le September aujourd'hui. Ok. Alors, analyse, communauté. Extension. Du coup, c'est pour ça que là, les streams, vous allez plus en avoir en week-end. Hein. Il t'a bouffé tes bits, mais il a pas. Moi, je l'ai pas, hein. J'ai même pas de fatality ou quoi que ce soit. Je vois même pas ce que t'as pu mettre. Qu'est-ce que t'as mis? Du coup? C'est pas normal ça. Ah bon? Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Bah, il fonctionne, hein. Deux fois, du coup. Ah, oh, bah, écoute. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Voilà, et puis voilà, comme ça. Comme ça, je t'ai presque pas volé. Ouais, il marque même pas dans le chat le bot fatigué. Mais même dans mon historique de bits, il le dit pas. Je sais pas. L'appli, elle doit être en mode. Brrr. Bon, allez, sur ce coup, bonne nuit, bonne semaine. Vous me verrez probablement sur le Discord et sur Snapchat pour ceux qui me suivent sur Snapchat. Je mets beaucoup de trucs dans mes histories en général. Enfin, beaucoup de trucs. Je suis pas un fou de Snapchat, mais en général, il y a 2-3 trucs par jour quand il se passe des choses. Sinon, c'est que je suis en train de me branler les couilles, quoi. Voilà, il faut voir comment ça se passera avec le boulot, quelle heure, quand est-ce que je pourrais streamer et tout. Sachant que par la suite, il est possible que je passe de nuit, tout ça. Et bizarrement, ça sera plus simple parce que de nuit, tu commences à, des fois à 21h. Donc 7 heures de boulot, voilà, donc tu reviens, tu peux dormir le matin et l'après-midi, t'es chaud. Et du coup, ça, moi, au niveau de mes horaires, bah, passer de nuit, ça serait le mieux. Voilà. Parce qu'imaginons, je commencerai à 22h, c'est des journées de 7 heures, donc 22, donc minuit, donc ça veut dire que je rentrerai, je finis à 5 heures du mat, je rentre chez moi, il sera peut-être 6 heures, 7 heures. Je dors jusque 14h, quoi, un truc comme ça, et après, bah, je peux restreamer, en fait. Donc, moi, ça m'arrangerait. Donc, j'espère qu'ils vont essayer de... Enfin, que je vais rapidement passer des horaires comme ça. Je vais leur demander, de toute façon, au bout d'un moment, je vais leur dire, moi, ça m'arrange plus. On verra bien. Allez, ciao, ciao, bonsoir, bonne nuit, et bah, au grand minimum, enfin, au grand max, à ce week-end. Voilà. Ciao, ciao.